petit résumé de la situation sur Soma. Soma présente l'histoire d'un personnage qui se réveille un beau jour pour un rendez-vous chez le médecin. Précisément pour un scanner du cerveau. Il a eu un accident terrible et cet accident le conduit à de nombreux cauchemars, de nombreuses migraines. Il ressasse son passé et il a un entourage qui s'en inquiète. Il a donc rendez-vous ce jour-là pour un scanner. Il se rend donc à cette entreprise privée, finalement, cette entreprise qui semble faire preuve d'un certain laxisme dans l'organisationnel. Des affaires traînent ici et là, le bâtiment semble lui-même isolé, et l'étage auquel il accède ne présente pas grand monde. Tout au plus, un seul individu qui l'attendait et qui règle des machines elles-mêmes, révélant quelques dysfonctions ou désorganisations. Le personnage donc que vous incarnez, il fait ce qu'on lui indique. On lui indique de s'asseoir présentement dans une chaise et de s'endormir pour opérer à quelques analyses. Il se réveille. Ailleurs. Il n'est plus le même. Il se réveille dans un lieu qui est... souterrain, sous-marin exactement. Il y a des robots partout. Certains semblent menacés. D'autres l'implorent de l'achever. L'ambiance est très oppressante. Beaucoup de secrets s'imposent à lui et le mystère plane. Il explore les zones, il découvre que cet endroit est plutôt science-fictionnel, plutôt futuriste. Il se faufile dans les ombres et d'ombre en ombre, il progresse. Il se confronte à des robots tueurs. Il se confronte à la noyade jusqu'à ce qu'il découvre n'est qu'un robot comme les autres, se prenant pour un humain. Il découvre que l'endroit dans lequel il se trouve n'est qu'un amas de stations, une suite de stations connectées par des rails avec un système sous-marin, lui-même guidé par d'autres robots. Les rares robots qui sont de son côté vaquent à leurs occupations. Les humains qui étaient là auparavant se sont donné la mort. Et la raison pour laquelle ils se sont donné la mort a été découverte. Il se trouve qu'à l'époque où il explore ces stations, nous sommes en 2106-2109 ou équivalent. Nous avons appris récemment que non seulement il n'est qu'un robot, mais en plus de ça, ce n'est qu'un reliquat de son propre esprit qui a été enregistré avant de mourir, avant de décéder au cours de ses expérimentations. La question se pose, la vie vaut-elle malgré tout la peine d'être vécue ? Hein ? J'aime pas trop la mienne, ça ! C'est vrai que j'avais oublié, attendez. Mieux. Pardon. Oh, qui va s'assign. Ah, ça tousse. Non. Je peux pas la débrancher. Le seul que je veux buter. Je peux pas la débrancher là.
Comment il fait pour ouvrir? Il a pas de main. Mais lui, il doit pas avoir de logo de main pour ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pff. Ah, il les a fait lui. Gauche, droite, merde. Hop. Net, net. Mais comment est-ce qu'il a fait pour ouvrir les portes sans les mains? Alors, je n'ai aucune explication à ce que je vais dire. J'en ai aucune. Mais sachez que j'ai la musique du générique d'Olivier Tom dans ma tête qui tourne. Je n'ai aucune explication. Je pense que c'était un système de défense. Je... C'est soit ça, soit mon esprit transpose le terrain pour atteindre l'ordinateur comme étant un terrain de football. Genre de forme ovoïde infinie. Un genre de suppositoire qui défie l'espace et le temps, tu vois. J'ai cru qu'il avait fait... Mais non. Cessez de souffrir, s'il vous plaît. Ah mais c'est quand je baisse en fait qu'il arrive. C'est lui, sans les mains. Oh. Je crois qu'il faut activer le truc et aller ailleurs. Tout en faisant tomber des palettes. Donc si je trouve que c'est mal rangé. Unité centrale en ligne, très bien. Prenez un chewing-gum et mille. Il se dirige vraiment au bruit. Restons à quatre pattes. Demandons à quelqu'un s'il peut nous aider. C'est dommage, j'ai vraiment trouvé personne. Non, 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 non,
Oui, bon, ça va, hein. Grand fan, hein. Grand fan, hein. Ok. Tout est activé, on peut remonter. Ouais, super. Mais quoi? On m'a dit good job. Mais même le ventilo il fait peur. Même le ventilo il est là en mode. Ouais, bonne question, est-ce que c'est pas vers les... Je boite en plus. Vers les champs. Bonne ambiance. D'ailleurs. Là ça va plutôt. Très bien. Je suis pas énervé, ok? En bas et en haut il y a la salle d'ordinateur. Ok. Mais pousse-toi la chaise! Ok. 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 Ouais, ça fait penser un peu. Ah oui, mes battements de cœur. Ok. Là. Oh, je suis tenté d'explorer quoi. Laquelle. Ça s'ouvre pas là. Ah, non. C'est un extincteur. Ça se met pas là? Si on avait. Ah, attendez. Ah, on avait une autre salle comme ça, hein. Go ahead, plug in that chip you found. Là, c'est tous ces gens qu'on a tués. Rappelez-vous. Un mort. Hop, deux morts. Ok. C'est sûr vous voulez qu'on... Oh. Alors, il faut savoir que quand dans le projet utopique de protection de paradis ou de projection dans un monde parfait, superficiel, enfin superficiel, dans le projet de on va dire de renouveau après les catastrophes terrestres, eh bien, pour être transféré, pour avoir son esprit transféré complètement, il faut non seulement mourir, mais ne plus avoir deux versions de soi, en fait. Parce que quand on transfère son esprit, c'est comme si la même personne existait deux fois. Envoyer. Et ça, c'est des gens qu'on envoie, en fait. Dans le projet. C'est des gens qu'on envoie.
Bonne ambiance. Ok. Des gens qui ont téléchargé. We need someone from Data Security Group. That one won't work either. Look for security people at Kronstadt or Strohmeyer. Ok. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Sachant que c'est elle qui n'a pas hésité. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Ah, il y a quelque chose dans le fait du paradoxe avec la double présence, quoi. Et là, ce qu'on fait... Ah, ça me rappelle des scénarios que j'ai écrits. Et je pense qu'aucun d'entre vous n'a lu ce scénario, je dirais pas sur quel jeu, qui parle de ça, parce que c'est assez pointu, c'est assez poussé. Là, on simule une intelligence artificielle pour avoir des informations sur la personne qui est une projection virtualisée de sa version originale. En lui mettant un cadre. En lui simulant un cadre. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Mr. Wan, I need your help. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Everything's fine. Theta needs your help. We need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. Il ne réalise pas qu'il n'existe pas. Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Allez, une seule fois au chalet, allez. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Take a deep breath, Mr. Wan. Everything is fine. Dr. Chun? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? Wait! Simon, you just reset the simulation. Oui. Parce que comme ça, on va pas au bout du truc et on le met pas en état de stress. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. C'est terrible. C'est horrible. Je sais ce que ressent un viewer, du coup. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Everything is okay, Mr. Wan. Just relax. Dr. Chun? Just relax. Where is this place? Just relax. I need you to give me the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. I'm trying to save a lot of people. No, you're lying. This is all a lie.
Charo, punch your teeth in. Oh, juste relax. We need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. Non mais juste relax. On a fait tout l'endroit. Vous connaissez, on a fait tout. Est-ce que on peut pas brancher ça ailleurs pour charger quelqu'un d'autre? Mais oui, mais bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. Non. Un autre ordinateur. On va essayer de charger quelqu'un d'autre. Mais voilà! Boum! Plage Versailles. Versailles direct. Mais ouais, grave. Versailles, pas flippant. Bon, première réflexion, hein. Salle de scan. Ok. On peut pas mettre quelqu'un d'autre. Ok, on va faire le test. C'est... En fait, il y a quelque chose qui me trigger là-dedans. Ça me trigger de... Là, on est en train de faire des expériences sur une âme qui n'existe pas, en fait. Je trouve ça fascinant comme histoire. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? Where did it... Alice? The scan is done. Are you feeling all right, Mr. Warren? Chun? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is a trick. Please calm down. I know you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! I won't break me! How many times do you have to do this? Come on, Simon. Don't give up now. Ok, donc faut aller chercher du nouveau. Est-ce qu'il y aurait pas... Voilà, je suis d'accord. Dans la salle du personnel, quelqu'un de chelou. Il manque un module, il manque totalement un module. Là, ici. Parce qu'on cherche un module, donc probablement quelqu'un. Alors, Guy. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Mais non. août 14, 2103. Hackers a enfin accepté l'évacuation de Delta. Goya, Krieger et moi sommes arrivés à Delta aujourd'hui. Hacker a préféré rester à Delta. Pardon. Il est complètement fou. Je suis fier de mon travail, mais le site n'est plus que l'ombre de lui-même, depuis que la surface a cessé de nous ravitailler. 25 août. J'ai fait mon scan. Alice Coster? J'ai pas fini de lire. We could try to make him think that she's there during the simulation. Might make him talk. Not sure how though. Keep looking. Strohmeyer m'avait dit que les maux de tête me tueraient. Quel enfoiré. Au début, ça allait, mais une épouvantable migraine est apparue quelques heures plus tard. Le pire, ça a été cette fille, Chun. Elle me met tellement mal à l'aise qu'elle me donne la chair de poule. 7 octobre. Strohmeyer a perdu les pédales. Il a ordonné l'arrêt de tous les scans destinés au projet ARK. Apparemment, Conrad s'est laissé séduire par l'idée de continuité. Et s'est suicidé sur le siège de pilotage juste après le scan.
J'ai comme l'impression que les codes de sécurité vont changer. 15 janvier. Je viens d'apprendre que l'équipe d'inspection Komore Biva allait chercher hackers à Delta. Ça fait des mois qu'il est tout seul là-bas. Je me demande ce qu'il faisait de ses journées. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok. Alice. Cute. Non, pas... non. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick them into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. J'ai une idée. Alors on va le torturer, mais mieux cette fois. Je pense pas qu'on puisse effacer Catherine. Katoche. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Admirons l'œuvre de l'être humain. Prenez note, hein. Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Long. Ready. Goodbye. Non, mais même là. That's enough. We got what we need. Elle est horrible. Ah voilà, merci. Merci, yeah, salut. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Je veux juste allumer et éteindre la lumière. On l'a tué ? Mais... on peut plus le remettre dedans ! Ni allume... Non, il a proposé d'arrêter, pas de supprimer, quoi. Ok. Non, désactiver. Activer les deux? Non, non, je... je veux pas supprimer, là, pareil, hein. Il y a supprimer, on va pas faire ça, on va pas faire ça. Hein.
quelle horreur. On va donner, on a tout ça. Simon, we got it. We can get oui, 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 get je viens Katoche Ben ouais, ouais, non, c'est ça, c'est... Elle est, Elle a de quoi être inhumaine, mais... Been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. No. Bref, pas grave. Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Bref, pas grave. Ben ça pue total, ouais. Et là, il va apparaître. Il y a quelque chose qui va sortir en mode... Né, né, né. Ah, chat perché, non, franchement, ok. Qu'est-ce que c'est que ça, mon dieu. Qu'est-ce que... Mais moi aussi, je commence à douter de... D'elle, hein. Parce que là, on appuie sur le bouton, il se passe rien. Ça a l'air des bras. Oh. C'est vrai que on est, on se dit en 2100, hein, SFR, Orange, sans citer de marque. C'est fini cette histoire de, vous avez débranché, rebranché pour voir si ça marche. C'est fini, même en 2100, tu vois. Mais non, bien sûr que non. D'ailleurs, une station. T'es en 2100, tu te dis qu'on est passé au-dessus de ça? Bah non! Y a pas de la lumière dans laquelle je pourrais mettre mon doigt. Je me sens pas très bien. Oh. Traire le canari. Aïe! Il va apparaître.
genre là, et il va faire le chemin inverse. Je le sais. Je le sais. Oh non. Ah, vite, mettons vite. Le plop garantit la fraîcheur! Talking, that's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah. Okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Est-ce qu'on peut faire un... Là, on est en train de tourner en live et tout, mais est-ce qu'on peut faire un sondage pour 5 minutes à peu près, avec comme données suivantes. Avez-vous confiance en Katosh? Oui? Non? Bon. Start an Ark simulation. I want to see how it works. Get an Ark simulation going. Encore? Toi la chaise. Hein. Ma décision. Ma décision à moi. J'ai décidé de finaliser l'arc avec les scans dont nous disposons. Je suis désolé. Pour tous ceux qui souhaitaient participer au projet et qui n'ont pas eu la chance d'être scannés avant sa suspension. 2 mois se sont écoulés depuis le dernier scan. Et je ne sais comment vous remercier pour le soutien que vous m'avez tous apporté au lancement du projet. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu la mort de qui que ce soit. Sauf de Robert. Lui... Il a pris mes haricots un midi, et ces haricots-là, je ne pouvais pas les cuisiner ailleurs que sous la mer. Ces haricots, il se trouve que cuisinés de cette manière, je ne pouvais pas autant goûter à du vinaigre balsamique, mis en avant sur son petit lit de mousseux. Mousseux, bien sûr, que j'apprécie en tant que femme blanche cisgenrée. Virtualisé. Robert, tu méritais plus que quiconque de mourir pour Serico. Quant aux autres, désolé. Docteur Catherine Chun. Pour nous permettre d'évaluer l'opinion du personnel, veuillez répondre à cette... Ah, tu sais quoi? On dirait pas le questionnaire SFR qu'on t'envoie après qu'on t'ait posé la question, à savoir pourquoi est-ce que ça marchait pas alors que c'est toi qui les appelles parce que ça marche pas et te demande pourquoi. Toi, tu dis, ben, justement, je viens vous poser la question à vous, je suis client, et que c'est vous les techniciens, et te disent, bah oui, mais vous êtes pas sur le bon service. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous avez débranché ou rebranché la box? Et tu dis oui, bien sûr, et c'est le premier truc que j'ai fait, d'ailleurs je l'ai déjà fait.
et ils te disent, bah écoutez, je vais vous transférer vers un autre service qui n'est pas moi, parce que je ne peux pas vous répondre à votre question, même si je vous ai posé la même, et je vais vous transférer, ne vous inquiétez pas, restez connectés, 3, 2, 1, bip, bip, et tu reçois un texto, genre 5 ou 10 minutes après, évaluation de questionnaire de satisfaction. Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Enfin, c'est peut-être un peu égaré. Il a récemment été décidé que le projet ARC serait le dernier contrat officiel de Pathos 2. Le personnel a été sommé de poursuivre son travail malgré l'état catastrophique de la Terre. Je pense que le projet ARC est le seul capable de sauver l'humanité, d'où la nécessité de consacrer autant de temps et de ressources que possible pour atteindre l'objectif. Ok. Tout à fait d'accord. Pour passer, chaque passager doit subir un scan électromagnétique à l'aide d'un siège de pilotage. Ces scans provoquent généralement des nausées, des maux de tête qui peuvent durer 3 jours. Comme par hasard, 3 jours, c'est le nombre de streams que je fais par semaine. Selon moi, ce désagrément physique momentané est malheureusement indispensable pour sauver l'humanité. Bah non, mais vomir, ça saurait si vomir sauvait l'humanité. Parce que du coup, tous vos potes en fin de soirée, faut qu'ils aient une médaille, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut récompenser tous ces gens, tu vois. C'est, à un moment donné, je sais pas, tu t'arrives en fin de soirée, il est 5h du mat, ton pote titube, il s'accroche au mur, tu te dis ça va pas, et il te dit, je reviens, je vais aller sauver le monde. Et du coup, tu dis, mais attends, j'aimerais avoir ton nom quand même. Et tu l'entends juste dans un écho lointain. Tu dis, ah. Quel héroïsme. Alors que d'autres auraient pensé, tu veux sauver le monde, sauve la cheerleader. Alors qu'en vérité, tu retires tout ça, tu sauves le monde, ben, vomis. Du coup, je suis pas d'accord. Je préfère sauver la cheerleader. Le doux bruit de l'héroïsme. On dit, pas le doux bruit. La douce cascade de l'héroïsme. Bon saké. L'arc a été conçu pour accueillir une sonde. Ah. C'est... comment il s'appelle dans... C'est Cartman qui va être content. Ranger MK7, celle-ci permettra de le lancer dans l'espace à l'aide du canon spatial Omega. Et lui assurera des milliers d'années d'autonomie grâce à la lumière de notre soleil et des autres étoiles. Je pense que l'arc doit quitter la Terre et être lancé dans l'espace. Oui. Bah oui, techniquement, sinon ça sert à rien. La numérisation de l'humanité est une opportunité unique qui permettra. Les personnes transférées à bord de l'arc seront générées à partir du code génétique existant, mais pourront subir quelques modifications mineures afin de faciliter le vie. Oh. Exagère. Voire de prévenir la mort. Cela dit, en nous débarrassant de la maladie et de notre état de mortel, nous risquons de perdre notre humanité. On va rester dans les extrêmes. Alors, je pense qu'on peut être immortel et être humain. Vous avez 2 heures. Comme d'un camp, absolument. Malgré le fait que son régime soit totalement naze. Seules 58 personnes sont encore en vie pour rejoindre l'arc.
pour diversifier et accroître la population, nous pourrions introduire des intelligences artificielles. Tu sais quoi, ça me donne l'impression, tu vois, comme t'as des gobelets et t'as une balle. La balle, c'est l'être humain, et le gobelet vide, c'est l'intelligence artificielle. Et tu dis, ben ouais, j'ai la balle, je vais jouer avec. Ben non, je vais ajouter des intelligences artificielles. Tu dis, mais j'ai pas envie de jouer, je suis en fin de la balle. Non, on va ajouter des intelligences artificielles. Qui semblaient en tout point humaines malgré leur sensibilité enfantine et naïve. En continuant à explorer la nature de l'intelligence, nous trouverons peut-être un moyen de les améliorer. Je crois même qu'un groupe inférieur de personnes artificielles pourrait être bénéfique à notre société. Ah, gros cas de conscience. Gros cas de conscience. Alors, est-ce que avoir une intelligence artificielle pourrait nous aider ? Est-ce que est-ce que c'est Maillard qui répond ou est-ce que c'est Est-ce que c'est Maillard qui répond ou est-ce que c'est mon personnage? Bah, on va essayer d'être logique. Pragmatisons. Les robots qu'il a croisés n'étaient pas humains. Et ils étaient plutôt pas sympas. Bah, je veux dire, du coup, voilà. Écoutez, j'ai un compromis. Choisissez un chiffre dans le chat. Choisissez un chiffre entre 1 et 5. Ouais, du coup, pas tout à fait d'accord. Pas du tout d'accord. Bienvenue dans les votes de la République. Ah, voilà. Tout à fait d'accord. Oui, je lance une simulation de fesses, oui. What's this thing? Just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity and payload frameworks. Of course. Qu'est-ce que c'est? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot. On a très confiance. Merci Katosh. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? N'oubliez pas de mettre vos mains contre le mur. I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the OcuTorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No. Hold on. Back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've brought. Oui, je comprends. Just reviving. Oui, je comprends. Tu me fais une. Oui, je comprends. Seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds: a sound mind and a sound body. At least
least we know how to get on the Ark. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. Je comprends. Allez, on commence. How the scan data is formulated and processed. Je vais remettre mon lumière. Ok, aucun pari fake, machin. Get an arc simulation going. Encore ? Attends. Ah, que dalle là. Get an arc simulation going. Ok, la simulation. Me casse. On est mort. Ouais, je vous propose, je vais jouer à Dark Souls là. Sans les mains. Je vais aller jouer à Dark Souls sans les mains. Est-ce que ça se met dans ton nez? Est-ce que ça se met vers la lune? Est-ce que ça se met dans le sol? C'est pas pratique pour fermer le côté, Michel. Merci d'avoir parlé à Vega pour les 19 mois. Bonsoir Maya à la communauté, bonsoir à toi. Merci pour ton soutien à la chaîne, merci d'avoir allègrement choisi ma chaîne. Ok. Ok. Sachez que je ne sais absolument pas comment on en est arrivé là. Pour moi, je viens d'avoir la trappe là. Sachez. Que pour moi, ça, c'est la trappe. Hein? Allez, je vous propose que je retire tout pour essayer de saisir. Allez, GG tout le monde! Ah, bravo, applaudissez-vous! Génial! Quel entertainment! GG! Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. Quel skill, hein. Ah, ok. Bam, bam. Better not use real data. I don't want to repeat what bon, we did d'accord. Brandon. Second that. Je quitte sans... Ben oui, non mais ça, je sais pas... J'imagine tellement... les développeurs se réunir et se dire écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme truc qui n'a rien à voir avec du jeu vidéo. Ok. Yes, of course.
So precise, so perfect. Ben ouais, grave. C'est qui les boss du game? Oh, right. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Je sais pas non plus là ce qu'on a fait. Don't forget to take me with you. On est ok là. Faut-il... Mais moi aussi je suis méga frustré par le... Mais aussi par le... Et par le... Maintenant, c'est ça ce que ressentent les devs. Ils font... Ça marche! Génial! 500 euros la journée. Ah, je comprends mieux Elder Scrolls. Hein. Alors... Je l'ai pas fait avec la voix, une voix en allemand. Vous voyez là par exemple, je vous explique, moi je vous explique. Je sais toujours pas ce qui s'est passé dans la pièce là. Je sais toujours pas comment est-ce qu'on est sorti. Mais là il y a eu un son flippant. Ça je l'ai compris. Là il n'y a pas eu besoin de... Hein, d'avoir fait maths sup en diplôme de d'espace-temps, tu vois, pour comprendre que ce qui va arriver, ça va venir dans des interstices qui sont pas prévus pour. Voilà. Je vais leur narrativer. Je vais leur narrativer leur. Non, rien du tout, je vais rien narrativer. Bonjour. Sa queen? Ok. Ok. Mais... Regarde. On dirait qu'elle a un bras cybernétique. Très aspiratoire. Arrête, je sais trop ce que c'est. Ils vont encore me demander de connecter les câbles. Ça c'est... À... Voilà. Non. Downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pulled the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it,
luck, sir. Tell Alice I love her. Ok. Mais je t'aime, Cassandra. Sarah, how the hell are we going to make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah. C'est le mec qu'on a torturé. Peut-être. Oh, yeah, yeah. Sélection naturelle. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce bruit, hein? Ok. Ok. Ça va très bien. Tout va très bien. C'est donc comme ça qu'on fait un Human Centipede. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais quel délire. Mais c'est quoi ce délire? Mais sérieux, les gars. C'est quoi ce délire, quoi? Mais qu'est-ce... Allez, tu sais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez. Et... Je suis à terre. Ouais. Terry Akers, chief factor at Delta, first assessment. Pas de patient, t'es un fruit de mer. Brought in today, January 16th, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious. Has clearly been consuming large amounts of structure gel for weeks, probably. It's difficult to tell how this has affected his health beyond the obvious number of it, and if it somehow caused him to gouge out his eyes. Small amounts of gel have always been considered perfectly safe to handle, but I can't recall ever hearing about any recommendations on how to treat overexposure. Considering its properties, I doubt it's poisonous, but the more transformative aspects of the ferrochlore makes me think that malign cell mutations are to be expected. I think I will need to consult Dr. Eames at Omicron about this. Okay. Ok. Mais oh et oh. Non, ça veut vous planter des choux. Ça perché. Brandon, what do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll find them. We've got to get to the shuttle. And end up like shaking atoms? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. J'ai pas prévu de mourir aujourd'hui. Par contre, demain à la première heure, sachez que dès qu'aujourd'hui sera passé. Et ouais, mon gars.
On n'a pas des codes là? Regarde, passer là au moins 3 créatures proxy. Vérifier qu'on a les portes. Checklist. Survivre au projet Arc. Checklist. Ne pas tomber dans l'escalator sur le nez. Enfin, un petit conseil vite fax, quoi. Sur le nez, bah c'est un pote. Contrôle clé. Ok. Énorme fuite de gel structurel a permis au WoW de prendre... De WoW. De prendre le contrôle du Dumbat. Une quarantaine a été décrétée pour éviter le pire. On n'a vraiment pas besoin d'une machine intelligente de plus. Ouais, il y a déjà un iranien. Excellent. Ok. Tu as verrouillé toutes tes portes. Je les ai verrouillées ou déverrouillées? Je les ai déverrouillées. Ah, mais oui, en bleu, en rouge. Rouge, bleu, c'est un peu pareil, quoi. Ok. Qu'est-ce que je peux prendre que je peux jeter à la figure? Ah. C'est vraiment solide. Ok. Ok. Mais non, mais sérieux, arrêtez les gars. Mais... Cracker, c'est un des pires cas que j'ai vu. Je peux s'en prendre qu'à lui-même, il s'est bouché les intestins avec du gel structurel. Je doute qu'il se réveillera un jour du coma. Cela m'a rappelé la triste histoire de Hart à Lambda. Serait-il possible que le WoW soit capable de modifier, de construire le corps humain? Robert est revenu. Il voulait encore des haricots en... À la suite de... Art semble plutôt en forme compte tenu des circonstances. Mais. Incroyable. Elle ne souffre que de quelques contusions, d'une légère hypothermie. Ok. Comme d'habitude, Chun ne dit pas un mot et fuit mon regard. Elle n'a aucune envie d'être ici, mais Strohmeyer a réclamé une autre évaluation. Elle préfère garder le silence, elle a du mal à communiquer, y compris avec les médecins. Katoche manque de caractère. Elle manque de caractère. C'est une petite souris effrayée que je ne veux pas bousculer. Mais je ne suis pas contre le fait qu'elle manipule tout le monde. Conrad est mort. Il a réduit son cerveau en bouillie avec un VRM. Un Mazer. Un masseur. À l'issue du neuroscan. Hein. C'était manifestement un adepte de la continuité. Oh là là, mais regarde, mais. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Hop là. Bon. Je voulais rendre service au départ, hein, mais. Mais non, mais c'est quoi ça?
On est sans deck. C'est... Oh, c'est la même chose, on n'y vit pas. Je trouve que c'est bien plus horrifique que beaucoup de choses, quoi. Non, non, non! Wow! Mais cours! Ah non! Juste faire un hug. Et il court, c'est horrible, c'est horrible. Je veux dire, c'est hyper horrible. C'est pas juste hyper horrible, c'est méga hyper horrible. Ouais. Ça me rassurait de mettre mon poing dans la lumière. Ah, le plop garantit la fraîcheur, hein. Sérieux. Choisissez mieux vos antihistaminiques. Non, mais pas déjà! Mais j'ai rien fait! Mais j'ai rien fait! Peut-être qu'en mettant ça ici, il viendra pas dans la pièce, il se dira que c'est trop glissant. C'est sûr. La rigidité que la vérité. Mais pourquoi je peux le palper comme ça partout, hein? Faisais pas ça avec des cadavres, Brandon. Sache que t'as beau être mort, on t'a quand même torturé. Parce qu'on est des pros. Sorry we couldn't let you rest in peace. Ah, désolé pour tout à l'heure, hein. J'espère que t'es mieux mort là qu'avant, parce que t'as l'air plus zen. Mais c'est une rêve partie. Ah. Attends.
quand je vois quelqu'un galérer autant pour faire des bulles avec son chewing-gum, j'ai envie de l'aider. Moi aussi, Marie, j'ai peur. C'est vrai que tu regrettes de ne pas avoir fermé la porte. Zéro regret. T'es parti, André ? Non, mais, ça, mais c'est le premier truc que je me suis dit. Hein. La détection vocale. Avec son bracelet du Hellfest, quand même. Mine de rien, il avait du goût, hein. Oh non, tu peux m'attraper, je suis chat perché. Attends. Vas-y, viens. Je t'attends. J'ai une chaise roulante et je saurai m'en servir. Mais arrête. Il va sous la table. J'ai l'impression. Regardez. C'est comme si je jouais. C'est comme si j'étais là comme ça. Écoutez, je vais jouer à Soma. Hein? Hein? Le RP. Ah. Clic. Je crois que c'est... C'est ok. Il est plus là, Robert. Je crois que ça a l'air d'être bon. Message de sécurité, ok. Mettre à jour. Code de sécurité, c'est qui ? Je crois qu'on peut y aller. Je reviens, je vais aller chercher du café.
Et là, à gauche. Voilà. En fait, je suis passé devant, ce qui m'a induit en erreur. C'est que c'était rouge, en fait, simplement. Ça m'a induit en erreur. Parce que de loin, je me suis dit que c'était une... C'était un... Puis j'ai pas mes lunettes, c'est bon, c'est quoi. There's something not hooked up right. Sans deck. Hurler ma grand-mère sans déconner. Alors déjà on dit on dit sur ma grand-mère. Et deuxièmement à l'aéroport. Je me suis cogné le genou. Déjà on dit sur ma grand-mère. Écoute, j'aimerais résumer ceci par allons explorer. Lumière. Non. Ok, non, il veut que je sorte par le... Non, je veux pas prendre cette échelle. Ouais, c'est scripté, ouais. Mieux. Écoutez, on reste là. Hein. Franchement. Ça se met un temps. Je trouve ça extraordinairement bien pensé, le fait qu'un qu'une relance de partie suite à un décès en l'occurrence. Je trouve ça mais vraiment, vraiment bien pensé en termes d'immersion. C'est un jeu qui est pas joli as fuck, c'est-à-dire qu'il est pas joli outrageusement avec des graphismes qui dépassent l'entendement et tout. Mais... juste. Tout est extrêmement juste. Il m'a pris pour un smoothie. It's okay. Ah ouais, super. What? It's over now. Relax. Ashley.
What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course, but... What happened? We fell in love. C'est oufissime. C'est oufissime. Oh, oh. Aïe, 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 oui. En termes d'immersion, mais... J'ai rarement connu ça en jeu vidéo, en termes d'immersion. Ouais, et là, ouais, il y a beaucoup trop d'action dans Dead Space pour supposer. Mais non, d'un cucu en mousse, cracheur de feu. Mais en tout cas, si je fais trop de bruit, si je cours, il me repère. C'est pour ça que je préfère manger ma banane discrètement. Pas de problème. Oh, qu'est-ce que fait un distributeur de PQ ici? Pas d'ordi manipulable, hein. Il n'y a pas de prise à brancher. Mais tous les bruits sont... Tous. Mais pourquoi? Pourquoi en fait, hein? C'est quoi cette gratuité? C'est pourquoi je... Genre je m'ai glissé sur un mur?
J'aimerais qu'on note qu'il ouvre les portes sans les mains. Déjà, ah pardon, je fais... Non, mais non, mais non! T'es le mec, le démon, il arrive dans le couloir, il se retourne vers moi, j'ai la main comme ça, j'ai le poing enfoncé jusque là, dans un blob de lumière, et je me retourne là, je fais... Oh! C'est... Oh. C'est pas moi. Tu vois. Attends. Me dis pas que tu me suis, parce que sinon je vais être énervé là. Me dis pas que t'as pris un raccourci. Pardon, hein. L'enfer. Salut Tartaglia, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Mais il est juste là. J'ai pas les résultats du bac, arrête de me suivre! C'était bien quand j'avais pas allumé. Mais... Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Alors, j'espère qu'il est pas venu vers moi. Mais si, mais bien sûr. Mais bien sûr que si! Bien sûr! Franchement, il me tunnel là! S'il était malin, je sais pas. On va avoir un coup de taser en fait. Hein. Au moins, ça me calmerait, mais là c'est.
Quel est mon animal préféré? Le Roomba. Parce qu'on peut lui poser des stickers de Dieu qui font pitié sur lui. Et c'est légal. Ça me rappelle tellement les mules à une isolation. Oh là là. Ok, on est ok ou pas? On est ok ou pas? Il est passé à gauche là, mais ouais. Hop là. Est-ce que c'est le type qui t'avait stalké? Je peux me souvenir qu'il avait des bras à lui. Parce que je pouvais stalker. Et je peux pas courir. Je peux que rester à quatre pattes. C'est pas que j'aime pas ça, mais... Mais il vient là, hein. En fait, si, mais... On vient de là, mais du coup, il y a une note. Mais attends... Ah, ok. Allez! Oui! Il n'est pas content! Plume de 3 tonnes, t'es gentil. Ok, j'ai mis la... l'électricité là, tout droit. Ouais, il se rapproche! Ah, on a récupéré le fusil à pompe! Oh là là. Et je fais quand même des bruits de pas, en fait. Merci!
ça quand même. Oh! Oh. Oh mon Dieu. Oh, c'est bien. C'est bien, on a fait une étape. C'est bien là.